Yo la famille, c'est comment? On dit quoi ici? Ça dit quoi ici? J'espère que mes chers et tendres abonnés vont superbement bien parce que vous m'avez vraiment manqué. 3 jours, c'est long, hein? Moi, je vais même vous faire des vidéos. Je vais vous faire 10 vidéos par jour, je vais les faire. Wallah, j'adore vous faire des vidéos. Voilà, j'adore réagir. C'est ce qui vous intéresse. Et aujourd'hui, j'ai 3 sujets à débattre. Concert de Bordeaux et DJ Arafat. Le soi-disant concert de Ariel Chéné et Safari Le Bian ce 1er janvier 2019. Et Sommet. Oui, Sommet de Mola Omar, son dernier single. Il faut qu'on en parle. Voilà, comme j'ai pour coutume de dire, laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Concentrez-vous sur vos objectifs. Voilà, c'est ça le plus important. Parce que le Christ même n'a pas fait l'unanimité. Voilà, vous devez comprendre ça. Donc évitez de discuter avec certaines personnes. Voyez grand, voyez loin, voyez devant. Voilà. C'est un petit clin d'œil au Mola avant d'arriver encore sur lui. Je vais commencer par le conseil de DJ Arafat et de Debordo. Dieu merci, il se pourrait, j'ai pas encore confirmation de mes artistes, que Orange Côte d'Ivoire serait le sponsor officiel de cette grande messe de la musique ivoirienne. Ça, c'est vraiment à applaudir. C'est vraiment, vraiment applaudi. Et moi, j'en suis vraiment, vraiment content. J'en suis très, 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 très content. Ceci étant, on doit parler de certaines choses qui, moi, me dérangent. Qui, moi, personnellement, me dérangent. Vous savez, ce que j'ai à dire, je m'adresse directement là aux fans de Bordeaux et de DJ Arafat. Une chose est sûre, quelles que soient vos querelles, quelles que soient vos rancœurs, quel que soit ce que vous manigancez dans votre esprit, dans votre cœur, là, ce concert du 20 décembre, là, il va réussir. Et il aura bel et bien lieu. Pourquoi je vous dis ça? Au lieu de nous concentrer sur comment galvaniser tous les fans de Bordeaux et DJ Arafat, et même les fans d'autres artistes, à venir participer, assister à cette grande musique, et non, il y a cette grande musique, à cette grande messe-là, de la musique coupée décalée, on est toujours dans les considérations des gens. Lui l'a fait ci, lui l'a dit ça. Non. Parce que jusque-là, il y a des fans qui n'acceptent pas encore que DJ Arafat et Debordo se soient réunis. C'est sidérant, c'est choquant en fait. J'arrive pas à comprendre. Vous êtes quel genre d'homme? Vous êtes quel genre de personne? Avoir toujours le mal partout. À ne pas vouloir rester positif. À ne pas vouloir jouer sur le bon. Ils se sont réconciliés là. L'un d'entre eux est mort. Non. Bien au contraire, ils font beaucoup de jaloux. Et au lieu qu'on nous deux, quand je dis nous deux, c'est-à-dire fans de Bordeaux, fans de DJ Arafat, nous soyons très unis, très complices. Il y a toujours des gens comme quoi, ils sont trop fans de DJ Arafat, trop fans de Bordeaux. Donc ils restent toujours dans les considérations. Vrai, vrai, là, vous n'êtes pas intelligent. C'est comme si votre cervelle, vous l'avez laissé quelque part et puis vous êtes sur les réseaux sociaux, quoi. Vous parlez, 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 parlez sans objectivité. Où allons-nous est ça? Restons un peu positifs. Jouons un peu sur le bon. Un grand truc comme ça où on doit mettre des stratégies en place pour casser l'Ivoire Golf Club pour mettre à 30 000 ou 50 000 fans. Là. On est toujours dans les considérations de Ah, Arafat, depuis que tu arrêtes de Bordeaux, tu ne mousses plus. Arafat, depuis que tu as un temps, tu ne mousses plus. De quand même, Arafat de profiter de toi. C'est quoi ça là? Et ça, c'est pas les fans de quelqu'un d'autre qui disent ça. C'est les fans de DJ Arafat, c'est les fans de Bordeaux. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Il faut arrêter un peu, les amis. Il faut éviter les fans de la sous-région. Il faut donner envie aux fans de la sous-région de venir à ce concert là. Il y a toujours des sous-clashs. Les deux conseillers même se sont réunis. Ils se sont réunis. Si nous, on s'est unis, ça fait quoi? Qu'on n'est pas la même chose. On peut pas être même chose, on n'est pas de la même mère. Mais on soutient deux artistes qui sont ensemble. Donc pourquoi ne pas collaborer? Il faut arrêter un peu. Parce que vous exagérez. Vous êtes quel genre de fan? Honnêtement, vous êtes quel genre de fan? Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Si vous voulez vous bannir de la planète, vous allez le faire. Parce que c'est vous les vrais sorciers. Les vrais sorciers, les premiers sorciers, c'est vous d'abord. Avant les autres qui sont amis dans l'ombre. On va aller où est ça? Non, j'ai réfléchi comment on va remplir ce coin-là. C'est vous qui donnez le conseil à temps, c'est vous qui faites chier. Même pas durer sur vous-même.
Et puis il y a un autre truc encore qui m'a pas plu. Ah, c'est le deuxième sujet, le concert de Arès Chiné et Safara Lubianga, ce 1er janvier 2019. C'est là on dit, les amis. Rien n'est encore confirmé. Et même si c'était confirmé, où est le problème? Nous, on a notre concert le 29 décembre. En quoi est-ce qu'il y a affront? En quoi est-ce qu'il y a problème? Arrêchez de vous parler de lui là. Il était de la Eurogroupe avant. C'est maintenant qu'il est sorti de là. Vous parlez comme on parle d'un autre artiste. On parle d'un artiste ivoirien. Il faut arrêter un peu. Tu es fan de Bordeaux, tu es fan de Didier, enfin, ok, ça s'arrête là. Mais n'empêche que tu dois soutenir les autres aussi. Mais au contraire, au lieu de voir ça comme un affront là, on doit les soutenir, on doit les encourager. On doit même payer nos tickets s'il y a lieu. Moi, je sais pas où est le problème. Bon, considérons que ce concert-là soit confirmé le 1er janvier 2019. Où est le problème? Les gars vont faire le concert le 29 décembre. Nous, les petits, on va faire le concert le 1er janvier. Où est le problème, les amis? Changeons un peu de mentalité. Il y a ça dans notre tête ou bien? Mais c'est Bakar qui est dedans. On va ouvrir la fin. On est toujours là à justifier tout. Non, ceux-là, ils sont pas bien. Ceux-là, ils sont comme ça. Ceux-là, c'est des maudits. C'est des sorciers. Oh, les sorciers, là, même, c'est vous d'abord. Franchement, moi, j'en ai marre, quoi. En parlant quelle langue? On fait toujours des vidéos à l'unisson, à l'union, à la réconciliation. Mais il y a toujours des gens qui justifient. Parce qu'eux, ils sont trop fans de Didier Arafat, ils sont trop fans de Bordeaux. Donc, tous ceux qui sont autour, là, c'est les maudits. C'est vous-même les vrais maudits. Les vrais sorciers, c'est vous. Où est le problème? Vous voyez le mal partout. Vous voyez le mal partout. Et bien, vous dites quelque chose, hein? On crie sur la toile. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Tous les tickets là peuvent finir et puis il y a les fans qui vont tomber malades ou bien les fans qui vont avoir des empêchements. Restez positif un peu. Notre objectif, c'est de rendre notre artiste grand ou bien c'est rester dans cette bassesse là. Moi, je vous dis, hein, si Arel Chiné et Safarel font un concert le 1er janvier, moi je soutiens. Il n'y a pas de problème dedans. Parce que nous, notre concert, c'est le 29 décembre. Rappelez-vous, notre concert, c'est le plus important. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu, les amis. Changeons nos mentalités un peu. J'ai trop mal. Et puis, c'est chiant, belle affaire. C'est nous, on est trop bons fans. Vous pensez que ces artistes, ils n'ont pas des fans aussi? C'est parce qu'ils ne font pas bruit comme nous. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Le concert du 29 décembre va très bien se passer. Et j'invite tous les fans de la sous-région, déplacez-vous massivement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On entend souvent la billetterie. Bref, Mola Oumar a fait sortir son dernier single dénommé Sommet. Apparemment, il y a certaines personnes qui disent que c'est une réponse ou bien c'est un clash à Didier Arafat et sa rébellion. Quand je parle de Didier Arafat et sa rébellion, je parle de Bordeaux, Clem Bailly, Che Guevara. Vraiment, je sais pas quoi. C'est ça qu'on appelle galvaniser les gens pour pouvoir mieux les faire travailler. Mais il y a des gens qui aiment ça, je comprends. Voilà, moi je vais pas bien, je vais pas faire la mauvaise pub, mais moi je viens juste donner mon interprétation dans ce son. Hein. Le mec, il raconte sa vie, il raconte son parcours. Dans la vie de tout et chacun de nous, il y a des jaloux qui sont là. Soit ils sont visibles, soit ils sont cachés dans l'ombre. Et puis nous créons tous les problèmes. Pourquoi forcément penser que le son de Mola Ouma est adressé à Debordo, Che Guevara, Didier Arafat et Clem Bailly? Pourquoi? Hein, les amis? Vous allez me dire que. Il ne peut pas venir dire ça ouvertement. Mais c'est idiot de penser ça comme ça. Parce que vous dites qu'il ne peut pas venir ça. Il peut pas venir dire ça ouvertement. Mais vous vous interprétez que ce morceau-là, c'est destiné à ces derniers-là. Pourquoi? Le noir même, vraiment. Après, quand on parle du noir, ça vous fait mal. On a une façon de réfléchir qui, moi, me fatigue en fait. Quand il voit son ami évoluer, il est jaloux. Ça lui fait mal. Quand il voit son ami sortir la tête de l'eau, ça lui fait mal. Il veut l'appuyer. Vous voyez, ce genre d'interprétation là, ce genre de décryptage, d'analyse de son là, ça n'encourage pas nos artistes, hein, je vous dis ça en même temps. Ça crée que des guerres, des divisions. Le mec, il était inspiré, il a fait son morceau, il a eu trop de problèmes dans sa vie, il met ça dans un son. Donc, ce son là, c'est pour Debordeaux, c'est pour Didier Arafat, c'est pour Clem Bailly, c'est pour Che Guevara, n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est vrai, vous aimez les clashs, mais ne justifiez pas tous vos clashs, s'il vous plaît. C'est pas partout il y a clash. C'est pas partout il y a clash, s'il vous plaît. Mola a retrouvé son registre, il se sent bien dans son registre, il fait son son dans ce style-là, c'est joli à voir, c'est intéressant à écouter. Clash, clash, clash.
Nous-mêmes qui sommes fans de Bordeaux, qui sommes fans de Diarra, on n'a pas de double clash dedans. Parce qu'on a un esprit ouvert. On a un esprit positif. On ne voit pas le mal partout. Et puis il y a des gens qui encouragent ça. Mais vous, qu'est-ce que j'avais bien vous dire encore? En tout cas, continuez. En tout cas, Mola, moi je kiffe bien ton son. Je sais que tu as fait ton son au regard de plusieurs expériences. Mais ce n'est pas forcément qu'il soit destiné à Didier Arafat ou je ne sais qui encore. Voilà. Donc, allez écouter le son de Mola. C'est vraiment bon. Ciao, ciao les amis. N'importe quoi.